N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je souhaiterais déjà, pour Christophe et Elisa, que tout le monde ait une pensée pour tous les proches de Elisa, cette victime qui est malheureusement décédée aujourd'hui suite de morsures de chien. Cette vidéo se retrouvera sûrement devant le juge d'instruction qui est en charge de ce dossier, je l'espère. Il est important de garder son calme et d'être serein dans cette affaire pour que la justice puisse faire son travail correctement. Aujourd'hui, je fais cette vidéo car c'est un drame qui nous est arrivé très récemment. Vous le savez bien, personne ne peut ignorer aujourd'hui cette actualité qui fait la une de tous les journaux au niveau de la presse nationale, mais ça commence aussi à partir au niveau de la presse internationale. Nous savons qu'aujourd'hui, cette enquête a été enlevée de la gendarmerie qui était au départ saisie par Monsieur le procureur de la République, pour lequel, après différents articles dans la presse, nous nous sommes rendus compte qu'un commandant de gendarmerie était présent durant cette chasse à cour. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a un juge d'instruction qui a été saisi d'un dossier pour lequel une personne est décédée, malheureusement, pour lequel aujourd'hui toutes les thèses, tous les articles de presse, on raconte tout, on raconte n'importe quoi. Il y a des professionnels qui interviennent dans ce dossier. Alors moi, j'ai pris beaucoup de recul et j'ai travaillé depuis cet incident dramatique et je me suis rendu tout simplement sur le profil, en fait, d'Elisa et de Christophe. Et je me suis rendu compte en tant qu'expert canin et vu que le juge d'instruction a été saisi, j'espère que cette vidéo pourra permettre d'aider, bien sûr, les enquêteurs, mais également d'aider la justice. Pourquoi ? Sur ces vidéos que je vais vous mettre maintenant, qui sont en transparence sur la page, justement, Facebook du concubin d'Elisa, aujourd'hui, pour moi, il est important d'être complètement transparent et de permettre, dans mon témoignage, de pouvoir aider toute la justice à faire son travail avec des éléments qui sont libres et ouverts à tous. Aujourd'hui, nous avons entendu sur BFM TV que le responsable de la chasse à cour exprimait le fait qu'il avait croisé donc Christophe en train de marcher dans la forêt et pour lequel Christophe aurait déclaré, je cite, regardez la vidéo. Monsieur était sur un chemin et il criait, ce qui est surprenant pour un veneur d'entendre quelqu'un qui crie. Donc j'ai pensé qu'il avait un problème, je suis allé vers lui. Et il m'a dit « Je cherche mon chien, faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux. » Ce qui m'a laissé un peu sceptique. Je lui ai dit « Mais vous savez, nos chiens ne sont pas méchants. »« Oui, mais le mien est très très méchant, faites attention, faites attention. » Et il était avec ma femme et je la cherche. C'est le seul moment où j'ai eu un entretien avec lui. Il est reparti de son côté, puis moi je suis reparti du mien. Alors s'il m'avait dit « Je cherche ma femme, par exemple, où il y a un problème », je pense que même nous aurions arrêté la chasse pour l'aider. Et je peux vous dire que nous n'avons pas entendu autre chose que les cris de ce monsieur à ce moment-là. La chasse s'est déroulée tout à fait normalement. Deuxième question que je me pose en tant qu'expert, quand on se dirige sur la page Facebook, on peut voir différents chiens, mais on voit quoi? On voit quand même des vidéos et des photos de chiens qui font sous-entendre que les chiens sont dressés au mordant. Attention, je précise que la réglementation en vigueur pour le dressage des chiens au mordant respecte des règles très strictes. Il faut que déjà la personne ait des compétences, des diplômes. On ne peut pas aujourd'hui entraîner des chiens au mordant, même dans son terrain, quel que soit le type de race de chien. J'interviens en tant que consultant pour les médias et en tant qu'expert canin, pour lequel il est important que je puisse vous informer ce que j'ai pu constater. Sur la page, en fait, Facebook de Christophe, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de photos pour lesquelles les mises en scène sont particulièrement précises et intéressantes à regarder et analyser dans le fond et dans la forme. On aperçoit effectivement des propriétaires qui sont en train de jouer avec des chiens. On est en train de voir des propriétaires, dont une femme brune, qui ressemblerait peut-être à Elisa, en train de faire mordre des chiens attachés à des arbres, attachés à des hauteurs assez hautes, et on provoque que le chien aille chercher des boudins. Je précise que la réglementation à ce sujet est très stricte. On ne peut pas faire mordre n'importe quelle race de chien.
On ne peut pas faire mordre tous les chiens. Il faut être reconnu par la direction des services vétérinaires. Il faut posséder des diplômes. Aujourd'hui, dresser un chien au mordant peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques si derrière, le propriétaire n'a pas assez d'énergie pour canaliser ses toutous. Tout simplement pour faire avancer la cause animale, tout simplement pour éviter que des décisions soient prises à l'encontre, malheureusement, des chiens qui sont parfois victimes de traitements de la part d'humains ou de la part de personnes qui ne respectent pas certaines conditions et peuvent engendrer des situations dramatiques. On n'est pas obligé de se servir de ce fait divers pour parler des attaques de chiens en France contre les enfants, les décès d'enfants, les attaques de chiens entre eux, les morsures. Il y en a tous les jours. Celle-ci est plus médiatisée que d'autres. Alors j'ai décidé d'intervenir pour éviter de faire l'amalgame et des dérives. On s'attaque sur le gendarme, le commandant, qui soi-disant était à la chasse à cour. On s'attaque sur le journaliste qui aurait déclaré ou non des propos qui ne sont même pas vérifiables. On s'attaque sur les thèses qu'on peut dire et si, et ça, et le chien est dangereux, pas dangereux, parce que le responsable de la chasse à cour a fait ses déclarations à BFM TV. Je suis là pour amener quelques éléments que j'ai constatés qui pourront sûrement aider la justice à faire son travail. Et si vous me demandez quelle serait mon hypothèse, je pense, et je reste subjonctif, qu'il est possible qu'avec les éléments que j'ai pu voir à travers les vidéos du profil, on voit un chien qui est entraîné au mordant. On voit un chien qui a les capacités de sauter à des distances assez hautes pour aller attraper des boudins de mordant qui sont des matériels qu'on ne peut pas acheter librement, normalement, puisque la réglementation oblige les professionnels qui vendent ce genre d'artifice de vérifier que les personnes qui achètent ce genre de matériel sont bien titulaires de compétences et de diplômes comme le certificat de capacité de dressage de chiens au mordant. Mais il y en a d'autres. Donc est-ce que déjà aujourd'hui, un propriétaire peut détenir chez lui du matériel de mordant? Non. Est-ce qu'un professionnel qui n'est pas diplômé, qui n'est pas reconnu et qui n'a pas les compétences au niveau juridique que législatif, peut détenir du matériel de mordant? Non. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, le juge d'instruction qui a été nommé dans ce dossier, il va pouvoir faire toute la lumière en allant sur les profils Facebook de ses personnalités, de se rendre compte que le chien, effectivement, était entraîné au mordant. Je ne sais pas si les chiens qui apparaissent sur ces vidéos sont les chiens qui étaient présents le jour du drame. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention à ce qu'on peut voir sur Internet et de prendre beaucoup de recul avant d'attaquer tout le monde et de dire n'importe quoi ou tenir des propos qui peuvent être néfastes pour le bien de l'enquête. Donc moi aujourd'hui, en tant qu'expert canin, je suis là pour constater des choses et pouvoir les exprimer librement tout en expliquant mon ressenti, ma position. Dans l'hypothèse où les déclarations du responsable de la chasse à cour qui a croisé Christophe, qui malheureusement, c'est lui qui a découvert sa femme agonisant dans un état horrible. Faut pas l'oublier quand même aujourd'hui. Il y a une personne qui est décédée. Comment peut-on aujourd'hui aller partout dans les médias et raconter ce qui s'est passé? Il y a un moment, je me pose la question, moi. J'ai envoyé un message à cette personne pour lui dire de me contacter et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, je serai là pour l'aider. Mais à côté, si les faits des déclarations sont vrais, si Christophe a bien déclaré à ce responsable de chasse à cour que son chien était extrêmement dangereux, ça a quand même des impacts qui peuvent être importants pour la suite de l'enquête. Aujourd'hui, on peut envisager qu'effectivement, Elisa se promenait avec un chien. N'oubliez pas qu'un chien est une arme par destination. Que ce soit un chihuahua, ou un gros chien, ou un molossoïde, ou un rottweiler, ou un berger allemand, ou un malinois. Quelle que soit la situation. Moi, je pense, en tant qu'expert, et l'enquête démontrera ou pas si mes propos aujourd'hui sont vrais, si mon analyse a été bonne en tant qu'expert canin, de dire si on se promène en forêt avec son propre chien et que subitement on est confronté, puisque Elisa a alerté à plusieurs reprises par téléphone son mari pour dire qu'elle est en présence de chiens dangereux, menaçants. À partir de là, si vous marchez dans la forêt ou même en ville, mais en forêt c'est quand même quelque chose de spécifique parce que c'est quand même très grand et on était en période de chasse. À partir de là, si vous marchez avec votre chien, vous pouvez vous retrouver facilement dans cette situation. Vous pouvez être victime en fait d'une attaque de chien, mais aussi de chien errant, pas forcément de chien appartenant aux chasseurs ou à des particuliers.
On n'est pas à l'abri, moi-même je ne suis pas à l'abri de me faire attaquer un jour par un chien alors que je suis en train de faire mon footing. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi cette personne, pourquoi Elisa est décédée. Et moi, aujourd'hui, je veux intervenir pour donner mon expertise en tant que professionnel canin, pour dire, et peut-être, de pouvoir soumettre une hypothèse, je dis bien une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, une hypothèse, que quelqu'un qui se balade, qui se promène en forêt, qui se déroule en même temps une chasse à cours, qui peut être au moment, qui peut dire aujourd'hui ce qui s'est réellement passé? Personne ne pourra le dire. L'enquête amènera des éléments de réponse, mais on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Il faut déjà se poser des questions. Est-ce que le chien d'Elisa présente des morsures d'autres chiens? Est-ce que les morsures sur l'autopsie va démontrer que ce sont des morsures de chiens de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille? Est-ce que les morsures qui vont être révélées par l'autopsie sont des morsures d'un molossoïde? Parce que la mâchoire n'est pas du tout pareille qu'un chien de chasse, etc. L'enquête va aller très très vite de toute façon pour démontrer ce genre de choses. Moi je pense, dans l'hypothèse où que Elisa se promenait avec son chien ou ses chiens, peut-être qu'effectivement il y a une attaque de chiens de meute ou autre, qui sont venus peut-être rapidement sur le chien, mais si on a un chien déjà qui n'est pas équilibré, qui est agressif envers d'autres chiens, si on a un chien qui est au contraire très sociable, rien n'empêche que dans une situation d'urgence, un chien puisse apporter une défense, vouloir défendre son propriétaire, et si le propriétaire ne lâche pas son chien par exemple, c'est là que ça va être compliqué, parce que le chien va être tenu et qu'une morsure peut être se retourner contre le maître qui peut tomber, puis derrière les chiens se sautent dessus. En fait, toutes les tests sont possibles, inimaginables. Mais s'il vous plaît, arrêtez sur Internet d'affirmer quoi que ce soit et de raconter tout et n'importe quoi. Attendons les conclusions de l'enquête. Seul le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire saisis à la demande du procureur et du juge d'instruction pourront amener ces éléments de réponse. Moi, je suis là juste pour arrêter de stigmatiser les chiens dits dangereux, les chiens, de stigmatiser les races de chiens. Je pense qu'aujourd'hui, nul est censé ignorer la loi. Tout le monde est responsable de ses propres chiens. Et j'espère que cette enquête et que mon intervention permettra d'apporter des éléments de réponse. Ciao. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.